La... Faut que j'aille dans les menus de la PlayStation. Donc je vais faire. Je sais jamais comment je procède dans mon. Ah oui, je fais un Alt Tab, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sinon je m'en sors pas. Sinon je vois pas. Tac, 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 tac. Oui, normalement c'est bon. Normalement. Ah oui, j'ai pas mis PS3. Merde. Dans mon habillage, il faut que je mette PS3. J'ai déclaré PC, c'est faux. Là, on va être sur la PS3. Je vais pas faire le Resident Evil depuis l'ordi, mais depuis la console. Voilà, on va dire que intellectuellement parlant, c'est plus honnête de déclarer ainsi. Ma manette, oh, je crois qu'elle est suffisamment chargée depuis la dernière. Je peux. Hop là. Je vais faire courir le cap comme ça. J'active la manette. On va y arriver. Allez, zou. Alors, le jeu, il est où? J'aurais dû demander un classement par ordre chronologique. Je peux pas. Je sais plus comment on fait. Oh, c'est pas grave, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Oui, c'est celui-là. C'est parti pour l'instant, Frousse. Ouh là là, je vais me faire dessus. Le terrible Resident Evil. Hop, je peux peut-être rapprocher mon micro aussi. Ça serait peut-être bien, vous m'entendrez mieux. Vous m'entendrez mieux. Bon, la 3, on la connaît. On va jouer. On va jouer. Appuyez sur la touche Start. Et là, normalement, ils disent Resident Evil. J'ai une chose à dire. Steak frites, ketchup. Ta-da-da-da-da. Steak frites, ketchup. Eh ouais, souvenir de l'enfance. Ah, fallait bien s'occuper avant d'avoir le miam là avec le plateau repas au réfectoire de la cantine. Pensez donc. J'étais collégien, je crois, quand je chantonnais cette ânerie. Steak frites, ketchup. Non. Oui, continuons. Oh là là, j'étais au milieu de l'histoire là, je crois. J'étais bien engagé. J'ai revu Lisa Trevor et je me fais déjà dessus. Ah, alors j'ai joué il n'y a pas longtemps, hein. J'ai joué quoi? J'ai joué. On est quoi? On est dimanche. J'ai joué vendredi, je crois. Ou jeudi, je sais plus. Et je sais plus. Je sais plus où j'en étais. Mon inventaire dit quoi? Et dans la malle au trésor. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ouais, exactement. C'est ça, fun fan. C'est vrai qu'elle l'incarne bien, l'actrice Julia Vogt. Tu m'en as fait la belle démonstration. Bonjour le coyote. Comment que ça va? Merci à vous d'être là. Vous êtes 20 spectateurs? Merci. Waouh, c'est le double de ma moyenne habituelle. Eh bien. Vous me faites plaisir et honneur de. Et de voir mes âneries et de voir mes. Le fait que je vais me faire dessus, là, dans quelques minutes. Ravi de pouvoir vous divertir. Ça va très bien. Eh ben, c'est merveilleux, le coyote. Ça va très bien. Toi, parler créole. Moi, parler mal. Aïe, aïe, aïe. Ah oui! Le symbole du vent, j'ai vu, c'était au pied d'une tombe. Je peux le jouer, je peux le jouer. Mélange d'herbes. Ah non, c'est un mélange d'herbes avec anti-poison. Attention, c'est pas un truc revigorant avec de la poudre. Herbe bleue, ouais, c'est contre le. C'est un vaccin contre le poison. De la bleue, de la bleue, de la bleue, de la verte, quand même, machin. Je prends le risque. De toute façon, il faut que je me remémore ce que je dois faire. Si déjà, il faut que j'arrive à me refaire à la vue à l'ancienne là.
Aïe, ouille, me fait bobo. Je parle toujours comme chat. On m'appelle la pub, là. Je sais plus, c'est... les levures Alsace, je crois. Ah non, bah non, Vainé. Vainé, c'est gonflé. Vieille pub, ça. Ah oui! Oui, il y avait la grosse migale derrière. Je suis fou. C'est certainement pas au petit flingue que je vais me faire une migale géante. J'ai intérêt à prendre la grosse artillerie. Fusil de chasse minimum. Oh 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 oh, que je suis bien naïf. Je vais me faire déboîter par la cochonnerie. Bah tiens, le fusil là fera peut-être l'affaire. Même si c'est le fusil de moins puissant. Pour une grosse migale, en espérant qu'il n'y en ait qu'une seule. Ah. Alors attends, je vais m'équiper... De fusil à pépon. Parce que au niveau des armes, il n'y a que ça qui est bon. C'est pas la jet qui va me contredire. Tiens, c'est pas une vue que j'avais. Il y a un escalier. Je crois voir un zombie là-bas. Je suis pas sûr. Ah non, c'est une énorme migale. Non? C'est quoi ça? Une publicité pour un tournée de bras de fer. Le gagnant sera nommé chef de la police de Raccoon City pour la journée. Oh les âneries. Comment ça, petit petit? Ah, tu l'as fait au couteau, l'araignée? Oh la vache. Ah, billard. Débit de billard. Ouais, 2, 3, ouais, 5, 4, 5, 6. L'orbe semble n'avoir aucune importance, mais. Mais. Oui, il faut retenir l'intervalle entre 2 et 6, ok. On verra. On verra plus tard. Ouais, c'est vrai que dans la première version, il y avait une énigme avec les queues du jeu de billard en forme d'horloge. C'était troublant. Un étui à guitare, il est vide. Je pense pas qu'en tirant à travers la grille, je puisse la cuic. Ah, il y en a une qui est toute proche. Si je mets tout doux, elle s'excite pas. Ah bah tiens, en parlant de fusil. Ah si, merde. Ah là, oui, là, l'abdomen a giclé là. Merde, elle m'a empoisonné. Non, elle m'a fait bobo. Oh, c'est beau. Encore une trousse? Magnifique. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Le livre rouge. Oh putain, j'avais oublié! J'avais oublié. Non, c'est pas ça pour les noms menus. Ah, examiner le livre. Bandage with blood. Pansement avec sang. Le livre à la couverture rouge. Le livre à la couverture rouge. Un livre à la couverture rouge, les pages sont vierges. A-t-il un usage particulier? Tu m'étonnes. On entend des... On dirait qu'il y a une araignée qui crache. Quoi? Elle a encore des spasmes, l'araignée, c'est horrible. J'ai plus de place dans l'inventaire. Ouais, je peux pas prendre les balles de fusil. J'ai ballo.
Chez Bali Palo. J'essaie de voyager un peu dans la pièce. Il faudrait qu'il y ait des outils attachés au mur. Alors j'ai vu un peu. Ouais, il y a un peu d'herbe. Ça fait. C'est bizarre comme endroit, vraiment. C'est. Alors le côté rustique est pas désagréable, mais. On se demande où est-ce qu'on est en fait. Mmh. Là j'y avais accès. Attends, faut que je révise les salles, moi je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Que cache-t-elle? Que ouin ouin. Ah oui, ou non, c'est dangereux ici, il y a des zombies. Ah oui, c'est le truc de l'échelle. Ah! Merde. Non, il n'y avait plus rien ici. Ah tiens, comment ça marche ça? Inutile d'utiliser ceci maintenant. Tiens, tiens. D'accord. Ouais, bizarre. Mais ouais, non, j'ai voilà, il faut pas que je revienne là parce que normalement j'ai plus rien à y faire en fait. Et puis il y a l'histoire de la carte qui dit si j'ai bien écumé une pièce ou pas. Donc je pense que celle-là, je verrai si je l'ai bien écumé ou pas. Tu dois l'examiner, ta boîte. Ah, d'accord, ton retard. Rien d'inhabituel. Rien d'inhabituel. Inséré, nanana, kit case. Un mélange d'herbes vertes et bleues se trouve à l'intérieur. Ah, il y a des mélanges différents chaque fois que tu ouvres une boîte. Oh. C'est un peu comme un œuf Kinder. Il y a une surprise dedans. Ah bah, je vais aller ouvrir l'autre, tiens. Je vais faire mon curieux. Merci pour l'astuce, Torota. Ah là là, tu m'étonnes. Alors, je sais pas si je vais sauvegarder parce que j'étais débile avec le zombie. C'est comme une boîte de chocolat. Oui, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. La réplique est terrible, cinglante et célèbre. Ouais. Donc celle-là j'aurais quoi? Mince, oh je me trompe. Je confonds les touches de Resident Evil et de Final Fantasy. Bref, et encore, j'en suis même plus si sûr. Avec le dino qui... Oh le beau cadeau! Un spray de premier secours. Oh c'est un magnifique cadeau ça. Ah ouais. Donc je vais ranger le fusil. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Et le coyote qui te salue. Bien le bonjour, fun fan. Ah là là.
Je veux essayer le coup du cimetière. La 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 la. Ah merde! J'avais oublié qu'il y avait des serpents, vipères, je sais pas quoi. Enfin, plus des vipères, mais. Ah! J'avais complètement zappé qu'il y avait ces cochonneries. Ils sont chiants les corbeaux. Non merde, c'est pas par là. Non, ils vont me bouffer les corbeaux. Je sais même plus où est la sortie. Oh oui, il y a une source d'aliments quelque part, mais je sais plus à partir de là où est-ce qu'on sort. Ils vont me bouffer les corbeaux, ça va être horrible. Ça va être horrible, ça va être horrible. Ah oui, c'est ça, c'est l'ascenseur là en fait. Les châtaignes corbac. Pa 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 pa. Le dessin de la forêt est bien fait. Bien poussé l'ambiance. Je me suis planté. Je voulais rejoindre le coup du cimetière. Attends. Pourquoi je reviens dans la cour Ah non, si, c'est ça. Si, si, il faut que je continue. Ah oui, c'est vrai, c'est la porte par le... Ouais. C'est vrai, c'est la... Ok. Si, je suis bien dans le bon truc. Je buguais. Oh, là, la nouvelle version du... Ouais, merci le coyote. C'est la nouvelle version, elle me triture l'esprit. Déjà, la première d'origine était pas évidente. Mais alors celle-là... Elle m'arrache le cerveau, elle me le rince, elle me le torche, tout ce que vous voulez. Ah oui, alors là, normalement, j'ai pas de mauvaise rencontre, donc je peux courir comme un dératé, normalement. Pourvu qu'il m'ait pas rajouté un zombie ou pire, un cerbère. La forêt de Raccoon City est calme. Pour ce qui est de ce secteur, la gare aux corbeaux. Ne mélangeons pas vitesse et précipitation. Lorsque le vent balayera la terre, les étoiles brilleront dans le firmament. Ça va faire un gros rayon lumineux vertical. Quoi? Le symbole est en place. Soleil, étoile, lune. Ouais. Ok. Et je dois les mettre à côté, c'est ça? Soleil, étoile, lune. Deux lignes verticales, une croix et trois lignes horizontales. Serait-ce un symbole? Attends.
Ah! Alors, lune égale. Le lune, c'est. Voilà, lune, c'est égal. Ouais, et soleil, c'est 3. Alors, attends. Deux lunes. Alors, c'est. Soleil, étoile, lune. Soleil, étoile, lune. Soleil, étoile, lune. Mince. Ah, je me trompe de touche. Soleil. Bah. Oh, il va me dire que j'ai pas tout regardé, c'est ça? Ah oui. Oh, ça va chercher loin. Soleil, étoile, lune. Soleil, étoile, lune. Soleil, étoile, lune. Soleil, en premier, tout à gauche. Merde, c'est à droite. Et pas grave, j'ai tout faux. Allez, zou. Ah ouais! Délicatement, tu m'étonnes! Wouhouhouhou! Ouah! Oh là là, je me trompe encore de touche, c'est l'émotion, hein! Ah ouais! Ouah! Violence! Violence et barbarie humaine! Il est chargé de balles de magnum! Et maintenant, c'est western. Ah merde, il y avait un zombie là-bas. Est-ce que j'aurais pu aller à la sauvegarde là-bas? Et j'espère que Lisa Trevor ne m'y attend pas. Elle fait peur de te tenir mal à l'aise au milieu des corbeaux. La scène fait flipper. Bon, pour le moment, la cour, je l'ai rincée. Ah, ils m'ont mis un zombie au niveau du chemin, là. C'est... Je vais quand même pas me faire le zombie au magnum. Parce que si je veux aller sauvegarder là où j'étais, il va falloir que je refasse une route inverse longue. Attends, quoi? Ah oui, la résidence. Ah, puis il y a le coup du Neptune avec leur quin. Ah, j'avais oublié. Non, il faut que je retourne du côté du... Non, faut que je retourne à mon point de départ. Oui, joli zouzou, ouais. La zoli zouzou, diva zizouza, le zoli zouzou, tu ne l'auras pas. La 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 la. Aïe 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 aïe, il me fait mal. Allez, go. Aïe aïe aïe. Ouais ouais ouais, Neptune, le requin de mes deux là.
Faut que je le gère lui aussi. Tant de choses à découvrir et d'horreurs à zigouiller. Ah non, là je suis encore relativement peinard. Tant que j'ai pas passé le truc de la flotte, je suis relativement peinard. Allez, Jay Valentine, tu peux le faire. Alors, attention corbeau, attention vipère et à tout le reste. Allez, au pas de course, une, deux. Ah, on va y avoir les corbeaux. Les corbeaux vont me donner la fouche. Doucement, doucement, je trouve que tu vas un peu trop vite. Oh merde, l'autre qui s'excite. Allez, zou, c'était par là. Hop, oubliez-moi les corbeaux. Et là, ça va être oubliez-moi les vipères. Dans le corridor de la muerte. Oh la vache. Bon, ça va, elles sont au milieu du passage. Eh ben, pas mal. Mission accomplie. C'est même dommage que je suis allé me faire croquer bêtement par le zombie, là. Mais j'étais à nouveau en reconnaissance. Écoutez. Est-ce que ça vaut le coup de sauvegarder? Attendez. Moi, je veux bien requinquer. Voilà. Elle a mérité parce qu'elle a trouvé un nouveau flingue. Mais on l'a retrouvé en plateforme. Mais attendez, la résidence. Ouais, j'ai des trucs inexplorés. Oh la vache, il y a B2, il y a B1. Ah, inexploré dans le sas de... Tiens donc. Ça veut dire que j'ai oublié de le ramasser ou de faire quelque chose. Ouais, la vraie date. Il y a résidence et bassin, on est d'accord. J'ai pas plus dans le secteur. On va. Bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de rouleaux de sauvegarde. Ce serait con de refaire le livre rouge et le magnum, non? Parce que si je me fais bouffer par quelque chose. Bon, si ça tombe vraiment mal, je prends le fusil d'assaut. Là, en tête, j'étais en train de me dire... Ah merde, il y en a encore une. Il y a encore un paquet cadeau. Ouais. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais à l'avance mes mélanges d'herbes? Je fais un peu de tout ou pas? Et stratégiquement, c'est dangereux. De toute façon, on a vu que la malle a énormément de cases d'emplacement. Il y en a une centaine, donc je pense que je peux tout contenir. Un mélange de deux herbes vertes se trouve à l'intérieur. C'est toujours ça de prix. Oui, on sait ce que c'est. Bon, je vais le garder sur moi, va, si elle est dans le mal, elle pourra... Eh, c'est marrant la manière dont elle présente ses mains. Regardez, attendez, à la lumière, c'est rigolo, on aurait dit une danseuse. Une danseuse cabaret, regardez. On dirait qu'elle va... Ah, j'ai pas envie de qu'elle va faire un numéro. C'est ce que ça m'inspire dans sa... La manière dont elle se tient, sa silhouette, c'est rigolo. C'est mon imagination, hein, cherchez pas. La 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 la. Allez. Juste le petit flingue. Ouais, le truc Neptune. Oh, il y a la plante qui est... Elle va encore me faire bobo, la vilaine. Son retour. La vilaine bête. On est d'accord, là, il n'y a rien.
Va falloir écumer les sous-sols. Mais attention, c'est le laboratoire, les sous-sols de la résidence. Ou presque. Ah non, il y a les guêpes. Ah, ah, ah. J'avais oublié la présence des guêpes. Non mais tout terrible ici. C'est... Y a rien qui va. Ah. Caisse mal placée. Ah, d'après toi, merde. J'avais essayé de bloquer les deux en même temps, mais j'avais pas réussi. Ouais, bah oui. Genre ferai plus attention sur le retour. Tu me diras, il sera trop tard, mais... Voilà. Quel niveau de la flip. D'ailleurs, c'est quoi qui est écrit? A644... 1, j'ai l'impression de lire. A640... Ah non, AC, pas 6... 6, non, c'est 600. A644-1. C'est étrange. Ah, là, il y avait un truc à fouiller. J'ai déverrouillé la porte, mais l'endroit me dit, au niveau de la carte, que c'est mal exploré. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, il n'y a rien. Ça doit être en bas. En bas de l'échelle. Oula, attention. Là, on descend au 666e sous-sol. Hein. C'est l'enfer. Ici, c'est l'enfer. Ah oui! Oui, c'était quoi ça? Je sais plus. Ah, les munitions du Magnum. Ouais, j'espère que je vais pas être encombré. Ouais, bah il y a eu un beau bordel par ici, c'est moi qui vous le dis. Ah là, il y avait des cartouches de grenades. Ouais. Ah mais au fait, j'ai oublié de sauvegarder. Oh merde. Attendez, je repars mais j'ai oublié de sauvegarder moi. Bon bah attends, oula, par où je repasse? Attends, je suis pas arrivé par là moi. Remarque, attends, s'il n'y a pas d'ennemis, il y a peut-être un truc à vérifier, non? Ou pas? Attends, j'ai oublié de sauvegarder. Bon, moi, j'aurais ramassé des trucs, j'ai rangé le coffre, mais... Ouais, non, je vais peut-être repartir par là, par où j'étais arrivé. Ouh! J'ai complètement oublié de sauvegarder, moi. Oh, je vais me recoltiner les guêpes. Oh, j'aime pas. Je n'aime pas. Bah, au moins, ce sera rangé dans le coffre. Ah, on voit le joli popotin de Jill Valentine. Eh ben, dis donc. C'était peut-être le seul instant coquin du jeu. D'accord, j'exagère. On l'a vu de loin. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que franchement... Bref, c'est pas qu'évident que Jill Valentine soit vilaine, tout au contraire. Mais... On te connaît, Fun-Fan. Ta femme, c'est Sheva. Ta maîtresse, c'est Jill Valentine. Cochon. Je te taquine. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé, la chambre. Ah, oh, je vais me coltiner les guêpes derrière cette porte. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Mince, j'avais oublié que mon modérateur avait un droit de réponse. Si, n'importe nawak. Ah là là. Alors, elle est mal placée, ma caisse. Ah, ouais, mais comment? Ouais, mais là, le trou, il est béant. Hein.
Ouais, mais je peux pas la récupérer, je pense pas. Ah! Ah! Est-ce que je l'aurais bien placé? J'ai peut-être bien placé la caisse, finalement. Avec un peu de bol. Oh, mission accomplie! Ah bah là, pour le coup, la sauvegarde vaut le coup. Parce que j'ai ramené du matos. J'ai ramené des munitions et je sais plus quoi. Bah, des munitions. J'ai ramené des munitions. J'ai des munitions. Ta-da-da-da-da-da. Le truc lance-grenade, il était là. Ouais, je suis le meilleur. Oui, elle est pas trop mal, là. Merci, le coyote. Sauvegardons. Bon, c'est bien. Pour un premier première demi-heure de jeu, j'ai bien joué. J'y vais doucement à mon rythme, mais j'ai bien joué. Oui, merci, Re-Christella. Ouais, j'ai bien avancé. Je suis content. Je suis content. Je suis coquet, mais content. Oh. Oh, j'ai déjà bu mon mug de sirop. C'est honteux. Message de FunFan 1992. Je me dois de faire un démenti officiel de pour clarifier la situation. Sheva est ma femme, mais Jill n'est pas ma maîtresse, c'est Julia Vought. Ah là 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 là. Alors là, pour le coup, je peux y aller le cœur vaillant. Parce que cool. Oh! Si, ouais, coquin quand même. Le coyote qui renfonce le clou. Je vais peut-être trucider la grosse araignée par prévention. Ah, puis il y a les balles de fusil à récupérer. Puis il y a les plantes sur place. Il y a les plantes. Remarque, tu me diras, si je fais pas le foufou, elle bouge pas. Si je reste calme, j'aurais peut-être même pas à la tuer. Alors, je vais prendre, vous savez quoi? Je vais prendre la plante verte et la plante rouge qui se trouve à côté. Tout délicatement. Sans exciter l'araignée. Ah merde, il y a plus de... Il y a trois plantes, visiblement. Ah oui, mince, je sais plus compter. J'aurais jamais assez de place. C'est pas grave, on va faire l'aller-retour. C'est la pièce d'à côté, ça, on va pas se plaindre. Et on va voir si la carte me dit que j'ai bien écumé la salle ou pas. Si c'est le cas, l'araignée, elle va rester dans son coin, on la reverra plus. Bon, il faut pas que je crève entre temps, parce que c'est le genre de manip qu'on fait à la fin. Avant de sauvegarder. Mais espoir. J'y crois. Je joue bien, je joue bien. Je reste concentré. Puis à partir de 16h, on basculera sur du Stardew Valley. C'est le baja, c'est le boxion, c'est le bodeur. Balle de fusil. Est-ce que je peux les cumuler? Je pense. Hein. J'avais pas une autre boîte de cartouches de fusil? Ah, apparemment non. Ah. Bon. Bon, bah on va refaire un aller-retour. Où je fais l'aller-retour au... Ouais, parce que si je meurs bêtement... Oh, en même temps, non, c'est idiot, parce que si j'ai tout sous la main dans le coffre, et que je sauvegarde ailleurs, à un autre endroit, c'est pratique d'avoir déjà tout dans le coffre, ça m'évite de refaire un aller-retour. Tout se justifie, c'est beau.
Attends, ça c'est pas un truc au sol? Ah non, à part avoir le... Si, j'ai un truc, un objet... Ah non. Ah, c'est une bouteille de... Une bouteille de whisky ou je sais pas quoi. Renversée au sol. Ah, c'est quoi? Une lampe à huile rouge, elle est éteinte. Je croyais que c'était une plante rouge, moi. L'année prochaine, je change de paire de lunettes. Ma correction doit être corrigée. Ah ou... C'est ça. Ah bah attends, j'ai un briquet. Allez, on va déclencher un truc énorme. Je vais crever. Je vais crever. Une étrange silhouette se dessine dans la lumière rouge. Oui, on voit un œil. C'est le troisième œil. En humectant les odeurs de gaz, de drogue de cette fiole, elle va voir l'avenir. Son troisième œil va s'ouvrir. Et elle saura tout. Symbole du troisième œil. J'en fais quoi, moi, de ton symbole du troisième œil? Alors, la carte dit quoi? J'ai écumé les lieux ou pas? J'ai écumé les lieux. Je n'aurais pas à trucider l'énorme migale. J'ai zigouillé la petite, mais la grosse. Elle va rester sur son grillage peinarde. C'était la migale. Bah direction... Christella est sur son 31. Je n'en dirai pas plus. Eh bien, bonne humeur. Allez, je vais déposer la plante dans ma malle au trésor. Et puis on va retourner du côté du Neptune, là, le requin grand vilain. Mais Pierre Perret, excellent son répertoire, hein, son répertoire coquin. Il est doué. Ah là 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 là. Oserais-je dire que Torota sort du bois pour faire un aveu. Là, il y avait rien, je crois. Une bombe pesticide, oui. Oh. Pesticide pour fleurs, elle est vide. Ah oui, il y a la plante 42 qu'on va scoltiner aussi. Elle est où, d'ailleurs, celle-là? Ah, je sais! Elle est au truc de Neptune. Message de fin fan. 1992, du bois de Boulogne. Oh, vilain. Fini, oui. Mais non, mais non. N'importe quoi. Nous n'avons rien entendu. Ah là là. Ta 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 ta. C'est le dernier jour de l'année, faut se lâcher. Oui. Attends, il y a les corbeaux, faut pas que je reste là comme un migo. Du coup, je sais jamais. Oui, c'est l'ascenseur là. Oh, faut toujours qu'il y en ait un qui mette l'alerte là. Et puis j'ai pas couru, c'est scandaleux. Oh, il est terrible le corbeau ici. Même le fait de marcher, ça suffit pas pour le calmer. Bon, alors le truc au requin. Bah, y'a papa, et c'est reparti pour un tour. La 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 la. N'importe quoi, vous êtes dessiné dans le chat, c'est bien. La pla 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 pla. Je ne répondrai pas à cette question.
Et ouais, je vais faire face à la foutue plante. Et c'est pas le fusil qui lui fera du mal. Éventuellement des grenades incendiaires. Brûler la plante, ouais. Hein. Mais l'idéal, c'est le super désherbant. Et là, il va m'en falloir des kilos, vu la taille de la bête. Je pense, comparé au sac que j'ai vidé dans la, pour la petite plante, dans le menhir. Aïe, mi. Attendez, hop, on l'adresse. Pardon, ouais, j'ai pas mon endroit. Excusez-moi. Oh, pauvre Poupon, je repense à Poupon qui a mal dormi cette nuit, là. Il a eu 3 orages d'affilée et une coupure d'électricité. Oh. Ah là 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 là. Attends. Non, je me suis trompé de chemin, là. Oui. Non, mais je me suis planté dessus. Encore une victoire de canard. Oh la vache, le son en a bouché un coin là. Merde. Je sais plus. Ah mais non, mais. Mais non, mais je suis un débile. Mais pourquoi je suis passé par là? Mais bien sûr que les labos, c'est le en dessous du de la résidence, c'est les souterrains. Moi je me barre dans la... Oh mais non mais j'ai tout... Oh là là, cette déconcentration totale. Vous n'avez rien vu, cher public. Je vous invite à soustraire la minute qui vient de s'écouler de votre mémoire. Bonjour le baron. Eh bien, bon bah j'espère que tout le monde va bien dans l'assemblée. Faut pas juste une carte, faut aussi une boussole. Ouais. Non mais voilà quoi. C'est énorme. Je crois, alors je devine et je crois me souvenir par rapport à la version de base des années 2000 là, que je vais trouver au niveau du labo la clé casque qui me manque pour le manoir. Et quand je vais revenir, il y a Wesker qui va lâcher les hunters, les hommes lézards. Et là, alors là, déjà les têtes cramoisies, mais alors les... Oh! Elle va finir décapitée 10 fois avec moi. Et encore 10 fois, je suis gentil. Ouais, voilà, un soupir qui en dit long. Le jeu est beau, mais il est dur. Aïe, mais j'ai merdé. Ah, merci, on peut arrêter l'hommage à Hitchcock maintenant. Merci. Quel rapport entre encore une victoire de canard et bateau. C'est moi qui voulais te vanner. Je voulais te vanner. Voilà. Je voulais que ça change un peu sur mon canal l'usage de ton bateau. Faut pas chercher plus loin. Non, la santé est normale. Et ben dis donc, j'ai chaud avec les corbeaux. Non, j'avais souvenir que t'aimais bien aussi le coup de la pub. Encore une cœur de canard. Et puis tiens, je vais te saborder ton bateau, mais quand tu seras chez moi. Ça permet de varier. Des goûts et des couleurs. Ah, bonjour AJ. Bon 31 à toi. Bonne Saint-Sylvestre. Profite. Oui, du côté de la plante, il faut que je passe du coup. Hop là.
sûr qu'elle me pète. Ah si, elle me... Non, non, elle est pas si bien mise que ça. Mais je vais la crever. La sale plante. Ah non, faut pas que je reste là comme un idiot, il y a des guêpes. Non. Non. Non, 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 non. Le petit coucou, le petit salut. Ah, franchement, le style de la chambre, bon goût. Allez, go. Oui, prends l'échelle, prends l'échelle. Prends l'échelle, prends l'échelle. Yep, yep, yep. Donc du coup, ça sentait comment? Ah, la plante m'a fait vraiment mal. Cochonnerie. Cette cochonnerie de plante m'a fait mal. Je vais la crever. Ah. Papa, pili, poupou, papa, la pili, poupou. Eh oh, c'est vilain pour les épileptiques, là, le coup de la lumière qui clignote, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bah, découverte. On va se promener. Attends, là, il y a quoi? Je crois que j'ai jamais ouvert cette double porte. Je vais avoir une surprise, motherfucker. Placement idéal, c'est contre le mur pour monter sur les caisses. Bah oui, mais j'ai pas pu pousser une deuxième caisse en... Ah! Oui, j'ai compris ce que... Oui, merci. Oui, j'ai merdé. J'avoue, j'ai merdé. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai merdé, j'ai merdé. Oui, 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 maintenant que tu m'as donné la solution, ça me paraît évident. Lui, je passe proche de sa gueule. Même s'il est sans pas dans l'eau, il va me bouffer, lui. Ouais. Le salopard. Ouais, il mériterait que je me le fasse au couteau. Mais... je vais me faire des sushis de requin, là. Oh, les cochonneries. Oh, mon Dieu. Attendez. Merde, je sais plus où je vais. Je suis perdu, au secours. Je vais passer devant sa gueule, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attends, je vais plutôt passer par là. Ok. Oui, c'est ça. Système de contrôle des eaux, il n'y a pas de courant. Ah merde. Pour rétablir le secteur avec toute la flotte, je vais faire un arc électrique au moins. Ah, le générateur du système de contrôle des eaux. Abaissez le levier. Ah oui, on va le faire crever. Non, on va le remonter. On va éviter de tout griller. Je pense qu'il a cuit, là, le requin. Là, le requin, s'il est... Je suis choqué. J'ai foutu l'électricité, le bassin était... Il a dû être électrocuté. L'autre, ça l'a réveillé ou quoi? Waouh, c'est quoi ce monstre? Ah bah...
Waouh, j'ai bien fait de sauvegarder avant. En fait, il faut que je le zigouille quand je l'approche, quoi. Je vais prendre le fusil à pépon et je vais le trouver de 10 balles de chevrotine, là. Enfin, de 10 billes. Mais je vais le démonter, le Neptune de mes deux, là. Comme dans Raft, je vais m'en faire des steaks. 23, sûrement. Ça parle mal. Ouais, non. Je vais me contenter du fusil d'assaut qui... Ça va bien le piquer, le fusil d'assaut. Oh, je vais bouffer du requin. Je vais bouffer du requin. Non, parce que si je vais là... Ah oui, je peux pas monter sur le... Ouais, non, c'est pas... Je sais pas si ça marche comme ça. On verra. Ah. Aïe! Putain, m'a fait peur! Je me suis retourné, elle m'a foutu les jetons, elle. Attends. Ouais, mais je peux pas tirer la caisse. Ah, de toute façon, comme je suis mort. Attends, je vais voir. Si je fais action, mes flèches opposées, est-ce que je peux dire que... Bah non, je peux pas tirer la caisse vers moi. Ouais, non, c'est débile. C'est débile. Emed. Emed. Alors là, par deux fois, la plante, évidemment, elle m'a mis dans le mal. J'ai dû passer du vert à l'orange. Enfin, au jaune, parce qu'elle ne se tient pas encore les côtes. Ouais, elle est dans le jaune. Ouais, bon. Prout. Mais je suis motivé à l'idée de me faire ce fichu requin. Je vais bouffer du steak de requin. Hop là, go. 1, 2, 3, 4. Eh bien, une chaise de Valentine, elle descend vite les échelles. Alors le premier petit. Par contre là le gros bout. Où je vais me le fumer? Il sait pas ce qui lui attend. Ouais, gesticule toi. Alors, mon gros qui va mourir. Ouais. Alors, autopsie d'un requin de son vivant. Mange-toi ça. Ça mange pas. Ça lui a rien fait. Le coup a pas compté. Il y a un truc que j'ai pas compris là. On est d'accord, ça électrocute l'eau. Si elle y va, elle meurt. Ah non.
Je pensais que ça allait occuper tout le bordel. Là, par contre, si elle touche, vous risquez de vous faire électrocuter. Ouais, tu m'étonnes. Attends. Bon. Il n'y a pas de. Bah oui. Là, il se réveille donc. Voilà, merci. Ah, faut passer par l'autre côté peut-être. Et ça, ça fait rien. Faut laisser le courant. Faut pas le... Ah! J'ai plus de balles. Mais il crève comment, lui? Bah oui, mais... il va falloir un moment pour... pour accepter ce duel. Il est à moitié immergé, il prend pas l'électricité. Faut que j'y aille avec le lance-grenade qui crame. Ou j'ai peut-être pas encore les moyens de le confronter. Mais ah bah merde alors. Ah bah merde alors. Lance-grenade incendiaire ou grenade classique? Bah il est dans l'eau, autant prendre des grenades classiques. Oh, je finirais bien par trouver son talon d'Achille à la cochonnerie aquatique là. Voudoudou. Je vais pas me laisser démonter. Allons-y, gamin. La 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 la. C'est improbable. Bon, bah au moins elle fera pas suer à l'aller. Et les vilaines guêpes. Oh, 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 oh. Posé symboliquement sur la caméra, c'était pas mal. C'était un joli style horrifique. Il y a une échelle, descendre. Oui. Ouais. Faudrait que je le fasse en randomize. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Quelle cochonnerie ce projet Neptune! Quelle cochonnerie!
Donc lui, il faudrait que je m'équipe de ça pour le cramer quand il bouge là, qui fait péter la boîte. Alors, blam, voilà, ça va déclencher le requin. Abaisser le levier. Oui, bah oui, je vais me faire électrocuter, oui. Ça y est, ça l'a réveillé. Non, c'est quoi qui déclenche la scène? Ah, c'est essayer de choper le... D'accord, ok. D'accord, c'est ça. Alors... Ouais, mais là, j'ai plus rien. Il est bizarre, ce Neptune. Il est incroyable. Allez, danse. Il se dandine, le requin. Oh la vache. Le sac à PV. Comprenez, le sac à points de vie, l'ennemi il est ultra costaud. Non, pas de dernier spasme de vie. La clé résidence. Oui, merci pour le GG. Mais ce qui me fait peur, c'est d'avoir fumé autant de... Oui, il y avait plus simple. Je pense aussi, parce que là, j'ai bouffé beaucoup de cartouches. En fait, quand j'ai tiré la troisième et quatrième cartouche explosive, j'ai pu cru. Je vais essayer la soluce la plus simple. On va la refaire en plus simple parce que perdre 6 cartouches de ça, ça coûte cher. Franchement, ça coûte cher. Je préfère la refaire et éventuellement me le faire au flingue. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Vraiment. Ça fait cher payer quand même. Mais merci pour vos GG. Ça va, là j'ai regagné confiance en me disant je peux le vaincre. Je t'ai donné un petit indice. Alors le temps du chargement, je vais te relire. Ah, Joe 2, oui, alors si tu fais référence à un film, j'ai pas de culture cinématographique. Donc c'est foutu. C'est en lien avec... oui, c'est sûrement un clin d'œil de l'équipe par rapport au film de requin. Mais comme je regarde pas les... Ou alors je trichote. Attendez. Ruse. Je fais Joker ruse. Ne dites rien. Je ruse. Joker. Pas un ami mais une IA. Westbot. Comment meurt le requin dans le film Jaws 2? Dans une explosion? Ah ouais. Ah bon? Comment je génère une explosion? Bah les grenades, c'est ce qui s'approchait le plus du boom. Je veux essayer. Ah, alors quoi? Eh,
Comme quoi, voyez, hein, les IA, c'est pas au point. Si en plus il me répond des âneries. Ah oui, merde, il faut que je remette la caisse. Minute. Là, j'ai les deux trous d'exposé, c'est pas bon. Nope. Voilà. Ah non, pousse pas la caisse, malheureuse. C'est reparti pour un tour. On y croit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'allais dire avec mon nuit de la Saint-Sylvestre, la réveillon, cette nuit. C'est vrai que tu pourras t'amuser, si t'es insomniaque ou décalé, fan, tu vas pouvoir t'amuser avec Wisebot. Comme il revient au bout de 2 heures, tu pourrais dès maintenant préparer ta série de questions, en fait. Ouais, j'ai tous les éléments pour le fumer, ouais, merci. Oh, c'est mignon. On voit le joli petit minois de la demoiselle. En photo, en bas de l'écran. Je présume que c'est une célébrité de Twitch, la demoiselle. Message de FeuFan 1992. Je pourrais pas, tu vas mettre le chat en smiley. Tu as raison. Je suis un idiot. Tu as parfaitement raison. Encore que, me fait peur parce que, sachant que t'es administrateur, n'abuse pas de tes pouvoirs. On va faire le test tout à l'heure. Ah là 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 là. Oh la vilaine bête. Oh le Neptune. Bleh. Bleh, 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 bleh. Oui, c'est en voulant choper ça. Voilà. Mais oui, je te fais confiance. Oui, t'as envie de dormir la nuit, bah oui. Alors attends, on va compter les balles. Vingt-deux balles. Qui cochonnerie. Oui, 22 multiples de 11. Je sais que ça te plairait. Pardon. Oui, 22 les blancs. Alors, prendre les clés de résidence. La clé de résidence. Padapapidi, padapapapam. Oula, lui il est très très agité. Les cochonneries. D'ailleurs, attends, si je regarde la carte, il me dit que je l'ai écumé complètement ou pas? Ah. Je n'aurai plus rien à faire ici. Ça me va très bien. Il y avait quoi là, je sais plus. J'étais
c'était... Je sais plus. Ma mémoire s'est effacée. Attends, il y a la salle de contrôle du Schmidbeek, d'accord. D'ailleurs, il va me dire que j'ai tout écumé, j'espère. J'ai tout écumé. Et il y a le coup de l'échelle. Attends. Ah bah oui, elle a bien l'échelle, tout simplement, elle se présente à moi. Ah! La caméra qui me rend fou. Et c'était quoi en haut? Ah oui, c'était ça. Je sais plus ce qu'il y a derrière cette double porte. Je suis passé une fois. Donc. Ah mais oui! Oh mais merde! Il y a encore des spécimens qui sont en haut. Faut pas que je me promène partout, ils vont me croquer. Mais c'est bien sûr. Attends, si on fait le tour, on fait quoi? Oui, c'est pas là que j'étais arrivé, c'était la porte là. Et au bout, c'est un cul-de-sac? C'est un cul-de-sac. D'accord, j'avais complètement oublié. Oui, c'est une espèce de coupole, là, on est sous un dôme. Enfin, non, c'est l'inverse, on est sous une coupole et on est sous un dôme. Enfin, bref. Ah, c'est là où il y a la plante. Villain bait. Va se coucher, villain bait. J'espère qu'elle peut pas m'atteindre. Non, je m'approche trop. Je crois qu'elle peut m'atteindre. C'est pas des balles normales qui vont lui faire bobo. Merde. Je reviendrai plus tard. Il faut que je la fasse crever. Ah, il meurt. Il meurt électrocuté. D'accord. C'est pour ça que t'étais atterré. Parce que j'ai perdu des balles. Mais j'ai pas réussi à électrocuter. J'ai lancé le truc, mais... Il fallait faire autre chose et j'ai pas compris. L'idée était pas mauvaise de départ, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Malheureusement. Il m'a fait peur, cet idiot. Oui, j'en reviens au même point, là. Bah oui, c'est la guard room. Attends, clé de la résidence, mais c'est une clé pour quoi? Ah, la galerie! Là où il y a les guêpes. Ou les abeilles, ou je sais pas quoi. Oh! Tu m'étonnes. Bon, on va repasser par là où on était arrivé la toute première fois. En espérant que je rencontre pas des cochonneries, sinon je vais regretter mon choix. Faut pousser le générateur dans l'eau. Ah la vache. Ah, il fallait accepter l'idée du... J'adore le jeu de lumière. Il faut accepter l'idée que... Ah, il n'y a plus le moyen de passer. J'ai l'air nigo. Elle est bonne. Eh oui, il n'y a plus d'eau. Oh. Courage. On va tous se retaper. Non, il fallait accepter l'idée qu'on puisse donner un coup de pied violent au pupitre.
La galerie. Oui, donc je repasse par là et oh là là. Ah, et après que tu activais le levier, d'accord. Ah bon bah merci pour la soluce. Alors si par malheur je venais à mourir avant de atteindre ma sauvegarde suivante, je procéderais à l'astuce. Mais la vache, 22 balles de revolver. Ça fait cher. La vache, même pour un boss. Encore que je dis ça. Mais bon. Parce qu'évidemment, toutes les munitions et les objets sont précieux dans le jeu. Le gâchis est interdit. Même s'il y a une petite marge de tolérance à l'erreur, mais elle est petite. Elle est petite, la marge d'erreur. Vous allez utiliser la clé gâterie. Vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter, mais oui. Bon, ça, c'est une pièce qui n'existait pas. Oh non. Oh non, ne foutez pas des guêpes partout. De l'équipement de l'abattoir comme vous n'avez jamais vu auparavant. A-t-il été utilisé pour mener des expériences? Oh, sûrement. Aïe! Aïe! Mais elle me pique à tour de rôle! Quelle horreur! J'étais empoisonné. Non, je suis normal. C'est verrouillé. Le chiffre 03 est inscrit sur la plaque de la porte. Oula. Attends. Ah, satané guêpe. Mais lâchez-moi, vilain guêpe. Ah, c'est la ruche. Il ne faut pas aller plus loin, c'est trop dangereux. Ouais, non, mais c'est impossible. Oui, je suis en train de me faire bouffer, là. Cadavre dont le visage a été dévigoré par la douleur. Il tient quelque chose dans la main. Un spray d'insecticide. Eh ben, équipé. Allez. Comment ça, pas maintenant? Bah, ah, il est vide. Merde. Il s'agit d'un vaporisateur à pompe. Il contient une grande quantité d'insecticide. Bah, c'est contre... Ah, je sais! De l'autre côté, par le trou, on a arraché la carte. Ça va faire une de ces concentrations. Re-olive qui tue. Ouais, j'ai compris. Il faut attaquer le problème sous un autre angle, littéralement. Géographiquement parlant. D'accord. Attends, là où j'avais arraché la carte, c'était là-bas. Elles vont bouffer! Ouais, les vilaines bêtes. Elles vont bouffer. Oh la vache, ça me rétablit même pas totalement. Cochonnerie de guêpe. Incroyable. J'étais parti faire une lessive et préparer un velouté pour ce soir. Bien. La classe. Ah ouais, puissiez-vous au moins vous faire plaisir dans l'assiette ce soir, comme c'est le 31.
Comme c'est le 31. Ah, il y a le truc à digicode, c'est vrai. Ah oui, il y a le truc avec les mélanges de... Bon, j'aurais aimé choper la... les cartouches, mais j'y arrive même pas. Bon, en face, c'est la plante. L'accès est verrouillé depuis l'autre côté. Ouais, c'est la plante qui se protège. C'est la peau de vache de planche... De planche. De plante qui bloque la clanche. Ah, mon dieu. Bon, bref. La clé doit être au niveau de la ruche, je présume. Ouais, bah c'est la 0003, forcément. Forcément. 003. Alors, après la ruche de mes deux, on va scoltiner le végétal de mes deux, là, la plante 42 ou 52 ou... hein, la plante crognonieux. Vous avez utilisé la clé, vous avez plus besoin de cette clé. La jeter, oui, jetons la 003. C'est quoi ça? Le manqueur, non. Je vais d'abord découvrir. C'est une salle de... Vous êtes sûr qu'elle se déplace pas? Ah non. Elle se déplace pas. Les arbres vous bloquent la vue. Oui, c'est peut-être préférable. Une plante géante écrase le mur. Une nuée de papillons de nuit en colère l'entoure. Oh, je sais même plus à quoi elle ressemble, la Toyota Wheel. Ça doit être une petite citadine, je crois. Encore un coup dans un truc dans la baignoire. Ah! Est-ce qu'elle a une racine qui va dans... Elle a quelques racines dans la baignoire. Merde! Si seulement j'avais un paquet de désherbants, je pourrais lui faire bobo. Je pourrais au moins l'affaiblir. Ah, merde! Les étagères sont remplies de savon et de produits de beauté. Ce sont tous les produits de la marque Umbrella. Des racines d'une plante géante. Ouais, ouais, ouais. C'est rempli d'eau sale. Videz la baignoire. Moi, je m'y risque, tant pis. Il y a quelque chose dans la baignoire. Oh, c'est un poignard de... Ouais, bon, bof. Attends, c'est... Oui, voilà, il n'y a rien d'autre. Oui, à part la... la plante qui a tout défoncé. Vous n'avez rien vu. Attendez. Une fois que je suis sorti de là... Merci. Ah oui, c'est apprécié. Et il y a le coup du digicode là. Ouais. La serrure de la porte, l'utiliser, non. Non. Ah! La table de billard. Je sais plus s'il y a un lien. L'intervalle, elle est de 2. 3, 4, 5, 6. De 2 à 6. Non, je peux rien en déduire. Je peux rien en déduire maintenant. Regardons la carte. Où est-ce que je serai en mesure d'aller?
J'ai pas tout exploré ici. Ah bon? Bon, là, là où il y a la machine à écrire, je sais, j'ai pas pris le ruban encreur, mais... Ici, j'ai pas tout... Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette salle? Non, il n'y a plus rien. Alors, il y a de vieux diplômes et décorations décernés par la ville ou par l'armée. Ah oui, c'est ça qui m'empêche de valider le vidage, l'écumage de la pièce. Oui, 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 oui. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Ah non. Merde, il me dit que c'est encore inexploré. Il y a encore un truc à ramasser? Qu'est-ce que j'ai pas ramassé? De vieux récipients et tubes à essai. Quel truc à code. Équipement, nanana, oui, bon, d'accord. Ça, c'est le présentoir, on dirait un musée de la science, là. Le malheureux. Le malheureux n'a plus rien à me donner. Enfin, je crois pas. Non, non, non. Il n'y a plus d'interaction. Ah, il y a encore une plante là. Oh. Ils sont générés en plantes rouges ici. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Ah, j'ai tout bien rangé. Enfin, rangé, si je peux dire. Ah, rangé, c'est l'étape d'après. Voilà les Dalton. Ah, c'est bien quand... Ah, ah, c'est bien quand il n'y a plus d'abeilles. Ah, c'est tellement mieux. Ou de guêpes, surtout. Je sais plus. Oui, l'autre, elle va me malmener. Allez. Renaillonnet. Alors. Alors, je m'en sors pas trop mal. Alors, je m'en sors pas trop mal. Voilà, je suis redevenu normal. Réfléchissons. Les objets. Les objets, il faut que je rebrasse les objets. Les objets. Attendez. Le livre ou page vierge. Il y a une histoire de bibliothèque où j'ai dû louper qu'il y a un emplacement mécanique. On met le livre rouge et pan, ça déverrouille un truc. Reste à savoir où c'est. Il y a pas mal de bibliothèques dans le coin. Faut pas que j'oublie de sauvegarder d'ailleurs. Attendez, la carte va m'aider à gamberger.
J'ai pas tout écumé dans le... dans là où il y a l'araignée. Pourquoi j'ai pas tout écumé là où il y a l'araignée? J'aimerais écumer la salle avant de sauvegarder. Ah bah non! Mais non, mais oui! Mais c'est... Bah oui! Mais oui! Parce que je l'avais écumé avant de mourir une première fois contre le projet Neptune. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une petite balade improvisée le long de la Meurthe en solo dans pas longtemps. Ah! Attends. Excuse-moi, mais attends, Nayonet, sois prudent parce que... la nuit va pas tarder à tomber, hein, comme on est encore proche du solstice d'hiver. Excuse-moi, mais la lumière, tu l'auras pu dans une heure, c'est le crépuscule qui s'amorce. Hein. Parce que par rapport à je sais où tu crèches et que tu vas rejoindre la Meurthe, enfin, je te souhaite une bonne balade, mais t'es vraiment certain, vu l'heure? Il va vite faire... à 18h, il fait nuit. Enfin, c'est toi qui vois, bonne promenade, mais tu me surprends. Tu me surprends. Ah, la partie que tu fais est éclairée. Bon, bah, bonne promenade du 31, Nayonet. Ah, j'avais pas vu, il y avait une lampe, là aussi. Il y avait une lampe. Non, je vais pas l'allumer avec un chargeur, non. Oui, une petite heure et demie max. Ah, d'accord. Bah, bonne balade à toi, Nayonet. D'accord, d'accord. 10 billes de billard. 2, 3, 4, 5, 6. L'ordre semble n'avoir aucune importance, mais... 2, 3, 4, 5, 6... Hmm. Ne me dis pas qu'allumer les cierges, là, les lampes, ça va exciter la grosse mygale. À moins que ce soit de l'encens pour l'exciter, je sais pas. Je sens que ça va mal se finir, mon histoire. J'ai des doutes, maintenant. Attends, c'est quoi mon... Ouais, non, j'ai trois cases dans l'inventaire. Ah, un verron. Bravo, Liv qui tue. Elle a réussi à pêcher un verron. C'est chaque bon, c'est chaque bon. Ibi. Ah. Et ça, c'en est une autre. La lampe à huile verte. Serait-ce un autre symbole pour le vert? C'est pas un œil, c'est quoi? Ah si, c'est un œil. Une tranche silhouette se dessine dans la lumière verte. Doucement, on n'excite pas la mygale, on n'excite pas la mygale. La 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 la, je suis proche de la sortie, j'avais pas fait de conneries. Je suis proche de la sortie. J'y vais tout doux, c'est moi qui vous le dis. Attends, je vais d'abord prendre l'objet, parce que si le troisième allumage de bougie bizarre déclenche un truc... Elle a prié pour qu'il ne se passe rien. Je vais sûrement déclencher un truc. Logique vidéoludique. Une étrange silhouette se dessine dans la lumière. Rouge. Que me dit la carte? Qui dit la carte? Que j'ai écumé la pièce. Le mystère des lampes.
Le gros mystère des lampes. Je me déplace tout doux, je me fais oublier. Le contenu de mon inventaire dans le coffre, je vais ranger. Et après, je vais sauvegarder, poil au nez. Bon. Ce qu'il fallait faire. Vous voyez, il y a les zen posés, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Ouais, c'est cool. Ça me plaît. Je veux bien sauvegarder. J'accepte d'avoir utilisé 22 balles contre Neptune. Même s'il y avait moyen de l'électrocuter. Bon, je retiendrai la méthode pour quand je ferai monsieur, là. Chris Redfield, je crois. Lampe, symbole, couleur. Pour le moment, ça veut rien dire dans mon cerveau. Absolument rien. Ça, le billard, la serrure codée. Non. Eh, hey, ne me donne pas la solution, le coyote, s'il te plaît. Attention. Faut me laisser cogiter, le coyote. Faut pas tout me balancer parce que je suis en échec. Attends, je te freine tout de suite parce que là, du coup, tu vas me gâcher mon expérience de jeu. Excuse-moi du peu. Les filles du Lido. Non, pas de copilotage, s'il vous plaît. Ne divulgâchez pas l'œuvre, s'il vous plaît. Alors, attendez. Il faut vraiment que je fasse un récapitulatif via la carte. Merde, je repars avec les rubans. Quel idiot. Bon, je crois que le bassin, c'est bon. Le bassin, il est rincé, j'y reviendrai plus. Théoriquement. La cour. Il y a une histoire de truc verrouillé. Ah, il y a une batterie aussi. Il y a une batterie. Dans le manoir, il y avait pas mal de choses. Manoir, j'avais pas écumé le jardin arrière. Hein. Le jardin arrière avec les... Hein, bon. Ah, il y a un zombie dans le haut du truc. Pourquoi j'ai pas exploré là-bas? Ah, c'est la salle du serpent en rouge, complètement à droite. C'est la salle du serpent. C'est la salle du serpent. Il n'y avait rien au niveau des... Non. Ah si, il y avait un truc verrouillé au niveau des statues. Mais c'est quand j'aurai la clé casque. Ah, il y a encore pas mal de portes qui se refusent à moi dans le manoir. Hein. Il y a encore pas mal de portes. H. Oh là là. Petit Seb. Le fouet au clou rouillé. T'es pire que Nash, petit Seb, c'est horrible. T'inquiète, le sage Jean-Cy, c'est référence à un film des nuls. Ah, pardon, d'accord, oui. Même pour ceux qui spoilent pas, bonjour.
Le dernier Resident Evil sont vachement plus simples que les premiers, je trouve. Nous dit Cinéan. Ah ouais. Je sais plus. Ouais, j'avais joué au tout premier, j'étais jeune adulte, pour pas dire adolescent. Je ne sais plus. Mais mince. Oh, j'ai un truc qui est tombé. Mais non, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bon. Tiens, j'ai changé de coiffe. Je vais mettre ma coiffe sanglier. Oui. Bon, bref. Oui, alors déjà, je vais remballer mon ruban encreur, là, parce que c'est débile que je cours avec. Ah oui, tu la connaissais pas, Ange de Lumière. J'ai eu la chance d'acheter la coiffe... J'ai eu la chance d'acheter la coiffe chez Europa Park. Bah tiens, pardon, je leur fais de la pub, mais voyez. Attends, la bonne inclinaison. Non, ce direct n'est pas sponsorisé. Elle est trop bien, là. Pas de sève automatique. Oui, Coyote. Bon. Et puis c'est bien, ça tient chaud. Alors elle est lourde, mais ça tient chaud. Puis c'est rigolo, je suis mon idiot avec. Ah, Europa Park, c'est génial. C'est énorme. C'est évidemment le plus grand parc d'attractions d'Europe. Oh là là. J'ai fait. J'y suis allé une ou deux fois. Mais waouh. C'est tellement de rêves. Tellement de rêves. Là 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 là. Toujours excellent la musique de la machine à écrire. Ouais. Ouais. Ah, ce livre aux pages vierges. Pas pour tout de suite, mais... D'ailleurs, attends voir, sur la carte, souvenez-vous, il y avait une porte dans le manoir, là, proche de la sortie de la cour, qui disait porte blason des Spencer, je crois, un truc comme ça. Dans quel état elle est? Ah oui, elle est en rouge, elle est verrouillée, elle est verrouillée. Elle est verrouillée, la vilaine. Elle est verrouillée, la vilaine. Il n'y a pas un truc avec les bibliothèques. Je me dis en même temps, je suis bête parce que je serais bien de prendre le bouquin sur moi si je me mets en quête des bibliothèques. Donc il y a je sais plus quelle chambre, peut-être celle-là. Vous me direz, j'ai sauvegardé. Si je suis pas satisfait, je recharge. Non, allez, on va se faire plaisir. Voilà, il m'a vu. Oh ah, ça fait mal, hein. Allez, flambe, gros vilain. Ouais, ça fait stylé comme ça. Ouais. Jill part à la guerre. Avec les flammes derrière. Une vieille bibliothèque. Il y a surtout des livres de littérature et de philosophie. Et il y en a pas un qui manque? Il y a pas le livre rouge qui va servir à... Ah bah merde alors! Je suis déception. Merdoum. L'endroit sert vraiment plus à rien. Ouais, pour plaisir, ouais. J'espère que dans le remake de Resident Evil, ils n'ont pas changé la musique de la machine à écrire. Ouais. Qui vivra verra. Y'a plus rien dans la baignoire, y'a plus rien. Du papier toilette a perdu toute sa couleur. Un miroir, un beau miroir. Parfaitement poli. Tu vois le jeu Resident Evil Zero. Alors, j'ai tous les Resident Evil sur ma PlayStation 3. Jusqu'au 6. J'ai du 0 au 6, j'ai les Chronicles et j'ai les Revelations.
Et j'ai le spécial action, les équipes de nettoyage, là, le Umbrella, Umbrella City, là, je sais plus quoi. J'ai jusqu'au 6, on va dire, dans les dates de publication de sortie. J'ai le Veronica aussi. J'ai tout sur ma PS3. J'ai tout mon Resident Evil dans la PS3. Il faut que je chouchoute ma PS3 qu'elle meure pas. Sinon, je serais très triste. Je perdrais beaucoup de jeux. C'est vrai. Oui, je sais plus quoi. Ça doit être ça, comme Umbrella. Je sais plus le nom. Mais c'est celui qui est le plus action. Je l'avais fait sur PC. Il était énorme. Ouais, il était énorme. Il était balèze, hein. Mais il était... Waouh ! Il y avait une gestion de stratégie, de... Ah, c'était terrible. Ah, je vous le referai un jour. Ce qui va être violent, c'est de passer du clavier souris et de vous le refaire à la manette. C'est pas... Je suis maso. Il parle la chaman. Non, attends, je réfléchis. Pendant que Jill devient toute folle. Pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Boogie woogie, pas de boogie woogie. C'est n'importe quoi. Bon, bref, oublions. Ouais, je suis d'accord. Des couleurs, des symboles. Je suis d'accord. On va y retourner, le coyote. Oui. Il y a une histoire avec la serrure, il y a quelque chose. Je suis bien d'accord. Mais il faut que je percute. Ah oui, ne pas courir. Faut pas que j'excite la migale de mes deux. C'est vrai qu'il y a 3... Et ça correspond à... C'est un code à 3 chiffres, là, la porte. Œil rouge. Il y avait œil rouge, œil vert et œil rouge, non ? Elle déclare quoi d'ailleurs quand... Attendez, je vais vraiment m'en tenir au sous-titre. Parce que pour peu que j'interprète mal la couleur de la... Qu'ils me disent non, c'est orange. Non, c'est rouge. Red. Rouge. Akai en japonais. La couleur rouge. Je vois un homme qui chante très bien avec un chapeau de sanglier et qui fait tourner les jeans. C'est normal. C'est le 31 décembre, Cinéan, faut pas chercher. Il n'y a point de réponse à ton énigme. Alors, œil rouge, œil vert. Œil rouge, œil vert. Doudou, il y a une migale qui pourrait nous tomber dessus, poil au U. Franchement, l'ambiance rustique, j'adore. Ça me fait penser que j'espère que la vie me fera ce cadeau, que je puisse découvrir sur mon antenne avec vous les Red Dead Redemption, là, l'ambiance de Far West Cowboy. Et orange. Alors, on va faire simple. Œil et feu de signalisation. Ah. Et ça va de 2 à 6. Ah bah elle est là la guitare qui est plus dans son étui. Elle est sur la chaise. Allez, va jouer un morceau pour la migale. Oh! T'as fait 4 fois le jeu! Waouh, t'es ultra fan, Cinéan! Mazette. Bon, Far Cry 2, je l'ai fait avec vous une troisième fois. J'avoue que le Far Cry 2, l'Afrique, j'ai kiffé. Mais. Waouh, 4 fois le même jeu! C'est qu'il est énorme! Oh, que oui, j'aime bien. Et rien que pour la nature du jeu. Eh B. C'est beau. Euh.
En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. J'admets, ça comble un vide. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Ah, c'est beau! Il est tombé dans le bon sens! Avec mes sabots. Excellent! En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Oh, la subtilité des yeux! Fallait vérifier la rétine! En même temps, ça a plus de sens. Parce que je me disais, je comprenais pas. Trois yeux, un feu tricolore. Après, il faudra que je vois à quelle couleur correspondent les chiffres. On y retourne, parce qu'on aime ça. Ouais! Il fallait bien regarder la rétine en fonction des couleurs. On va y arriver, on va y arriver. Je vais décrypter l'énigme. Et là, elle saute sur le... C'est dommage. Elle saute dans le trou. Elle est folle. Strangulation. La coyote. N'importe quoi. Ouais, mais la pauvre, elle se fait bobo à chaque fois, là. Bon, ça va aller encore dans le normal, mais... Alors... Ah! Rond rouge. Le rond est rouge. Bah, je vais retenir le drapeau japonais. Le rond est rouge. Ça me va très bien, comme ce système mémotechnique. Moi. Mais c'est qui m'a foutu les jetons? Fini, oui. Alors, on est une table de mecs bourrés. Mon moyen mémotechnique ici, c'est le verre vide. Eh oui, il n'y a rien dans le cercle, donc le verre est vide. Oui, qui est là? Oh, qui oui, c'est un bar. Qui là? Ouh là là, tequila. Para 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 papa. Ouh là là. Para 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 papa. Oui, qui est là? Tabara para. Para para. Dum 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 dim. Ouh là là. Ouh là là, qui est là? C'est pas mal. C'est œil de chat. Œil de chat. Œil de chat en orange. Bon, il faut que... Ah, la table de billard! Mais oui, le code couleur en fonction des chiffres. Mais que je suis un ego! Mais ça va de soi. Ça y est, les bonnes synapses avec les bons neurones dans mon cerveau se sont connectées. Oui, cat size. Allez, l'autre, elle va pouvoir me faire strangulation sur le retour. La vilaine. À moins que je la... À moins que je la truchide, d'ici là. Ah, la magie. La magie du démon. J'ai une envie de mettre des sons, c'est le 31. Doucement, tu peux quand même, canaillou de fan. Tu pourras en faire aussi tout à l'heure quand je ferai Stardew Valley dans pas un quart d'heure. T'inquiète pas. Essaye d'étaler dans le temps le son. J'ai failli dire essaye d'étaler le son. Non, ça marchera pas.
Ah, j'ai oublié de regarder la table de billard. Non, j'ai oublié de regarder la table de billard. J'ai oublié de regarder la table de billard. J'ai oublié de regarder la table de billard. Encore que je peux regarder l'ordre du... Non, bah non. Elle est où la table de billard? Merde, je sais plus. Ah mais merde! Elle était sur place la table de billard. Ben. Ah! Mais j'ai oublié de regarder la table de billard, j'avais oublié qu'on était dans la salle de jeu, moi. Oh. Mais je suis nul. Trois jolies panthères vivent comme un éclair, signé 4 size. 4 size. Allez, un petit coup de strangulation, ça offert pas la maison. Parce que madame a tout sauf la main verte. Elle va te crever là. Mais... Aïe. Et du coup, ça a compté en bobo là? Ah oui, ça compte en bobo. Hein. Bon, bah, bien fait pour ma gueule. Ce serait pas mal que je termine sur la confrontation contre la grosse plante. Attends, le billard, il était à l'opposé. C'est fou comme j'aime cette salle de jeu. Avec le bar intégré, c'est... Mmh, une salle pour passer son 31. Wouh. Alors... Ou je le fais dans le chat. Non, je... Voilà. Alors, attends. Mmh. 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 Voilà. La 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 la. On y croit. Il va y avoir de l'action d'ici peu. Ah, un nable de Heckel, ouais, pour la prise d'olive qui tue tout à l'heure, il y a 5 minutes. J'avais pas fait attention. Allez, chez Polti, avec cette logique, le verre vide égale 6. Ensuite. Ah oui, merde, attends, faut peut-être le sélectionner. Ah oui, pardon. 6. Bizarre l'utilisation du truc. Rond rouge 3 et l'œil de chat, c'est là où le truc va être inversé, il faut tous les désélectionner. Comment ça 3? Mais non, c'est pas 3. Non, j'ai confondu le rouge et l'orange. Mais comment ai-je pu?
Le chat qui fait du surf. C'est quoi cet émoticône? Excellent. Excellent. Et puis c'est bien, à chaque fois ça retombe bien comme il faut, dans le bon sens. C'est rigolo comme nous. Oh, c'est pas vrai. Mais je le fais exprès. Oui, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Oh merde. Merde, pardon. Oh, pichotte, si l'araignée se réveille, j'en ai marre. De toute façon, je vais la refaire parce que j'ai tellement fait d'aller-retour bidon que j'ai crevé. Ah oui, alors oui, le 3. Attends, le 3 c'est rouge et en fait l'œil de chat orange, en fait c'est 5. Voilà. Je sais plus reconnaître les couleurs, c'est n'importe quoi. On oublie, au secours. Allez. Oui, boire un coup, t'as pas tort. Non. Chat échaudé craint l'eau froide. Il y a le verre renversé sur le chat, il va pas aimer. Alors, confrontation avec la plante. Ça va venir, c'est obligé. C'est obligé. Demain à 20h environ, je pense. Rouge c'est 3 et lui c'est 5. Mmh. 635 donc, ouais. Oh là là, va falloir faire les mélanges. Ah oui, oh là là, c'est tordu là, c'est un jeu de mathématiques. Oh bonne mère. Et puis j'ai plus rien pour la soigner, la pauvre. Elle va se tomber. Lui, la solution au mur. Quelque chose inscrit sur le mur. Oh mon dieu. Ouais. Salut. Ça va, Fun Fan? T'es déchaîné. Aïe. Oui, pour une bouteille vide. Ouais. Ah merde, je peux pas les cumuler. Elles sont tellement grosses que je peux pas... Oh la vache. Et là aussi ça aurait été un... Bah oui, je peux plus porter d'objets, tu m'étonnes. Ouais. On va passer à Stardew Valley parce que mon cerveau est... Je ferai l'énigme là une prochaine fois. J'ai bien avancé. Je sauvegarde pas parce que j'ai fait n'importe quoi avec le... Oh, ce beau son. Majette, un peu tôt pour l'heure de goûter. Pour moi, j'ai toujours dit que l'heure du goûter, c'était 6h30.
À l'heure du goûter. Allez, on va faire du Stardew Valley.